Bien, je pense que nous allons démarrer ce webinaire donc sur les débuts dans le métier dans le second degré. Nous en avons fait un sur le premier degré la semaine dernière. Coupez bien vos micros, s'il vous plaît, pour que l'on puisse bien s'entendre. Donc, merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce webinaire sur le second degré, les débuts dans le métier, donc ils vont pour certains commencer jeudi et mercredi avec la pré-rentrée. Alors, je suis Jean-Michel Zakharchouk, un des animateurs de ces webinaires et rédacteur au cahier pédagogique, professeur qui a été longtemps professeur de collège et formateur. Et je vous présente un peu mes camarades qui vont, mes collègues qui vont participer à ce webinaire. Donc, il y aura Cyril qui est Lascassis, qui sera lui chargé du chat, c'est-à-dire qu'il recueille un peu tout ce que vous pouvez dire sur le chat et en particulier ce qu'on vous a proposé de faire pour démarrer, c'est-à-dire un souvenir de collège ou de lycée. On essaiera de faire une petite synthèse là-dessus et puis il interviendra à plusieurs moments de ce webinaire pour faire aussi une synthèse de ce qui les questions, les remarques qui auront été faites sur le chat. Sur le chat également, Andrea Capitanescu qui est à Genève et qui va vous proposer de nombreux liens intéressants et on vous dira comment enregistrer si vous ne savez pas le faire le chat. Donc interviendront ce soir plusieurs personnes qui ont chacune écrit un ouvrage dans la collection Début dans le métier de Canopé, mais en partenariat avec les cahiers pédagogiques. Et il y a trois ouvrages concernant le second degré. D'abord, par ordre chronologique en quelque sorte, le collège. Donc il y aura ce soir pour un livre écrit à deux voix, Céline Théillet, qui est professeure de collège et formatrice à l'INSPE. Professeur de collège à Niort et à l'INSPE de Poitiers, et Corinne Chaminade, qui est professeure de collège à Poitiers et aussi à l'INSPE, qui est aussi formatrice à l'INSPE, qui ont donc coécrit ce livre sur le collège. Alors je précise que chaque fois, les livres, en fait, sont aussi des livres collectifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'apports de collègues, de praticiens, aussi bien du réseau des cahiers pédagogiques et puis d'autres réseaux. Ensuite, il y aura Anne Pedron Monard, qui était professeure de lycée et formatrice et qui est à Nantes et qui a écrit le livre sur le lycée général et technologique. Et enfin, Sabine Coste, qui nous parle directement, je crois, de l'INSPE de Haute-Savoie et qui a écrit le livre sur le lycée professionnel. Voilà, je co-anime en général ces webinaires avec Jean-Charles Léon qui est présent aussi et qui proposera également des images à certains moments intéressantes. Vous avez été très nombreux à répondre aux questions qu'on a posées. Comme toujours dans les webinaires, il y a plus d'inscrits que de participants, mais vous êtes nombreux aussi à participer ce soir. De toute façon, il y aura un enregistrement de ce webinaire et cet enregistrement sera pardon, et cet enregistrement sera sur la chaîne YouTube des cahiers pédagogiques et donc les collègues qui n'ont pas pu être présents ce soir pourront regarder l'enregistrement complet de ce webinaire. Et vous pouvez donc le conseiller à d'autres personnes à partir de demain ou après-demain ou plus tard. Je signale aussi qu'il y aura sur le site des cahiers pédagogiques, probablement demain, d'autres éléments pour débuter dans le métier. Donc allez voir sur le site des cahiers pédagogiques, vous trouverez un certain nombre de propositions, de pistes, de travaux autour des débuts dans le métier. Donc, comme il y a eu beaucoup de questions, forcément, on ne pourra pas répondre à toutes, mais beaucoup de questions sont quand même
convergentes pour s'interroger sur ce début, qu'est-ce que l'on doit faire. Et je commencerai tout de suite par poser la première question à chacun des intervenants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que vous proposez de faire lors de la première journée de classe, sachant que les situations sont très différentes. Et la première journée de classe, parfois d'ailleurs, ne se déroule pas la première journée, parfois c'est la deuxième journée, selon les situations, mais quels sont les incontournables et fondamentaux de cette première journée? Donc je donne la parole peut-être à Corinne ou à Céline pour démarrer. Bon, Céline, voilà, Corinne. Bon, comme je ne sais pas si Céline avait ouvert son micro, je vais donner un début de réponse pour ce que Céline complétera. Ce que l'on a dit, nous, à nos stagiaires, et ce qui nous a paru important, c'est que cette première rencontre, ben, comme toute première rencontre, doit permettre aux élèves de découvrir le professeur. Il faut envoyer quelques signaux forts, comme le fait que on a un professeur engagé, stimulant, et il n'y a pas forcément lieu de commencer par toute une liste de choses à ne pas faire, mais au contraire, leur donner à voir ce que seront nos principes et nos envies pour eux, les projets qu'on a pour eux. Donc, une première rencontre où on laisse à penser que les élèves ont plutôt de la chance d'avoir un jeune professeur plein d'envie et de projets pour les élèves. Alors, peut-être pour compléter les propos de Corinne, le deuxième enjeu de cette rencontre, c'est aussi de permettre aux élèves de faire connaissance entre eux. Donc, faire connaissance avec le professeur, comme l'a dit Corinne, mais aussi essayer d'ores et déjà d'amorcer une dynamique de groupe avec des activités telles que, par exemple, le jeu du blason, où des élèves qui ne se connaissent pas doivent reconstituer un blason à partir de leurs points communs, éventuellement se donner un nom de groupe, etc. Donc, une activité qui peut se mener avec des niveaux d'exigence différents, bien sûr, mais avec tous les niveaux de classe, puisqu'on peut aussi le pratiquer, pourquoi pas, en classe de seconde avec des élèves qui ne se connaissent pas initialement. Anne, peut-être. Oui, ben, je voulais rebondir juste sur l'idée de la rencontre. En lycée, la rencontre, elle se fait comme en collège d'ailleurs, avec un prof à une heure de cours et en plus, par le jeu des spécialités, des options, etc. C'est pas forcément un groupe classe qu'on a en face de soi. Pour moi, sur cette première heure, vraiment, où le prof va rencontrer le groupe classe avec lequel il va travailler toute l'année, comme on est dans la relation, il y a vraiment l'idée de la confiance, de tisser la confiance, donc de trouver des activités qui tissent un niveau de confiance minimal et suffisant dans la relation. Et aussi, je pense que ce que je trouve toujours intéressant en tant qu'enseignant, c'est de travailler sur les représentations. Et donc, un bon moyen pour moi d'entrer en lien avec le groupe dans cette première heure, c'est de travailler sur les représentations que les élèves ont de la discipline qu'on enseigne, par exemple. Donc, vraiment par un recueil des représentations qui peut être par le dessin, par des mots-clés, par des phrases, ou par un recueil corporel, de comprendre un peu quel est leur rapport à la discipline que l'enseignant va enseigner toute l'année. Voilà. D'ailleurs, en faisant la différence entre des disciplines qui sont déjà connues, avec un passé, voire parfois un passif, et au contraire des disciplines nouvelles. Exactement. Moi, je pense que j'étais enseignante d'histoire-géographie, mais en mathématiques, il y a souvent des gens qui ont un passif avec les maths, par exemple, et c'est intéressant de voir un peu déjà ce qui ressort dans, voilà, de prendre la température. Je pense que c'est intéressant dans cette première heure d'essayer de prendre la température un peu individuelle et collective du groupe. Et Sabine, donc, lycée professionnel. Et je compléterai au-delà de la bienveillance, de prendre la température et puis travailler sur les passifs des élèves, c'est aussi dédramatiser aussi cette entrée dans un nouvel univers. Et comme j'ai travaillé sur le lycée professionnel, c'est quelque chose qui est très peu ou très mal connu des élèves. Donc, essayer de dédramatiser et d'expliquer avec une approche qui est adaptée à la diversité des élèves que l'on a en face de nous,
en lycée professionnel qui n'ont souvent pas toujours choisi cette orientation et de les remettre en confiance aussi dans l'environnement dans lequel ils vont évoluer pendant au moins 3 ans. Est-ce que Cyril, est-ce que tu as repéré un peu des éléments dans les souvenirs de première heure, de premières heures de rentrée des participants qui ont bien voulu témoigner sur ce chat? Alors, la première chose qui ressort, c'est qu'il n'y a pas de souvenirs marquants pour beaucoup d'entre eux. Et puis, des émotions qui reviennent aussi, l'angoisse de savoir avec qui on va être, quel enseignant on va avoir, est-ce que je vais être avec mes camarades de classe, donc en tant qu'élève. Et puis, des souvenirs d'odeurs, de fournitures, retrouver les mêmes livres que ses frères et sœurs. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort des premiers échanges. Il y a eu une question sur savoir si on pouvait détailler le jeu du blason qui a été proposé. Oui, Céline, tu peux en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, je le pratique avec mes élèves de seconde, puisque je suis en lycée. Je leur donne un blason vierge, un dessin de blason, tout simplement. Je les mets par quatre. Là, pour le coup, j'impose les groupes, qui sont des groupes hétérogènes, où je fais en sorte de rassembler des élèves qui viennent d'établissements différents. Et donc, je leur demande en temps limité, je laisse en général 20 minutes, une demi-heure, pour réaliser comme un vrai blason des représentations, des dessins. Alors, ça peut être des mots-clés pour ceux qui ne sont pas très, très doués en dessin ou qui n'ont pas envie. Donc, l'idée, en fait, c'est que sur ce blason, il y ait des représentations qu'ils aient en commun. Donc, ça va être un sport, la pratique d'un sport, ça va être un type de musique, ça va être l'amour ou le désamour d'une discipline, puisqu'on parlait des maths tout à l'heure, par exemple. Voilà, et puis je vais leur demander en plus de se donner un nom de groupe et de se donner une devise. Voilà, et ce blason sera accroché dans la salle de cours. Bon, j'ai la chance d'avoir ma salle de cours, puisque c'est une classe expérimentale collaborative, mais du coup, on accroche les blasons qui nous accompagnent tout au long de l'année. Voilà. Et est-ce que finalement il y a des poncifs ou des recommandations de choses à ne pas faire le jour de la rentrée, puisque je pense que par exemple la lecture du règlement, enfin voilà, je vous laisse peut-être dire des choses qu'il vaudrait mieux éviter de faire, qui sont pas forcément très productives et qui donnent. Vous avez parlé de dédramatiser, qu'est-ce qui dramatiserait par exemple? Je veux bien rebondir là-dessus. À mon sens, les deux choses à ne pas faire ou qui peuvent être contre-productives par rapport à l'angoisse, ou voilà, c'est un, les fameuses fiches. Mais bon, je pense que beaucoup de gens, ça se fait beaucoup moins maintenant, mais comme demander aux élèves de remplir des fiches qu'on ne regardera plus jamais dans l'année, c'est voilà, juste parce que c'est une tradition de rentrée, ça catalogue beaucoup les élèves et puis il y a tout un tas de cases qui peuvent être très violentes à remplir pour les élèves, donc les fiches évitées. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de tout miser en tant que jeune enseignant sur le jour de la rentrée et se mettre une pression de dingue pour correspondre à un stéréotype de prof autoritaire, dur, sévère, voilà. Donc, d'enfiler un costume qui ne serait pas le sien ce jour-là et qu'on aurait beaucoup de mal à tenir toute l'année. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Voilà. Oui, je veux bien juste compléter par rapport aux fiches. Hein. Je partage bien sûr le point de vue d'Anne. Maintenant, on peut faire des petites activités d'écriture dérivées un peu de ces idées-là. Comme le portrait de Proust ou des petites choses de ce type-là qui permettent quand même effectivement de diagnostiquer un peu l'écrit, mais qui sont moins engageantes, hein, ou qui permettent de mettre de la distance dès la rentrée. Oui, d'autant que les renseignements techniques, on peut les avoir très facilement, on n'a pas besoin de demander aux élèves. Et là, je citerai une anecdote. Je suis en train de lire un très beau livre de Jean-Paul Delahaye qui s'appelle Exception consolante, qui raconte, Jean-Paul Delahaye, qui a été directeur de l'enseignement scolaire et qui a un parcours d'enfant vraiment très pauvre. Et quand on lui demandait la profession du père, le père était parti de la maison brutalement.
Donc, il raconte son humiliation et, ça, et finalement, il avait fini par mettre parti sans laisser d'adresse parce qu'il n'avait rien d'autre à dire. Et je pense que c'est des choses qu'il faut éviter. Quoi. Une situation très diverse, en particulier un milieu défavorisé, comme on dit. Oui, et puis parmi les recommandations qu'on entend quelquefois dans la salle des profs, et ça va me permettre de faire transition avec la deuxième question sur la pré-rentrée, vous entendrez peut-être des conseils comme ne pas sourire avant Noël, et même après, ce n'est pas forcément recommandé. Avec le masque, de toute façon, ça ne se voit pas trop. Mais, l'idée aussi de rien laisser passer, tolérance zéro, toutes ces choses-là qui sont un peu des mauvais conseils, quoi, parce que justement, de toute façon, ça n'est pas... Mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus. Corinne, peut-être ben moi, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Ce que je trouve toujours embêtant, c'est aussi pour se sécuriser les élèves, on peut avoir tendance à vouloir arriver avec une liste de un cahier des charges du prescrit, mais qui serait surtout les punitions éventuelles en cas de je n'ai pas fait mon travail ou qu'est-ce qui va se passer si je parle. Enfin, vouloir instaurer tout de suite un cadre un petit peu sévère et rigoureux. Il ne faut pas oublier qu'on peut sécuriser les élèves et faire autorité autrement qu'en édictant ce type de liste-là. Et que lorsqu'on a fait, en tout cas, des propositions aux élèves ou qu'on a menacé les élèves de punition, mais il faudrait s'y tenir après. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on annonce comme éventuelle punition. Et je ne pense pas que ce soit un signal très positif quand on rentre dans la classe. Ça pourrait même laisser plutôt penser qu'on a besoin de se sécuriser soi-même pour pouvoir gérer sa classe. Donc, je pense qu'il faut faire très attention de la même manière, ça rejoint un peu ce que tu disais, Jean-Michel, l'idée de ne pas sourire. Bien sûr qu'on peut sourire, bien sûr qu'on peut même s'amuser avec ses élèves et savoir la tenir pour autant. Voilà. Et d'ailleurs, lors de nos rencontres d'été du CRAP, là, très récemment, il y avait un atelier qui a travaillé sur l'humour en classe. Et l'humour, c'est extrêmement important. L'humour, à ne pas confondre avec l'ironie et la moquerie, mais l'humour, c'est une arme pour déjouer justement la peur, les angoisses, etc. Alors, peut-être une deuxième grande question, c'est la veille de la classe. La veille ou même avant, puisqu'on est encore l'avant-avant-veille, qu'est-ce qu'il faut... Comment se préparer finalement, et puis comment vivre la pré-rentrée aussi. Alors, je ne sais pas, Sabine peut-être. Sabine ou Anne. Alors, moi j'avancerai l'idée que plutôt que de se pencher sur des contenus didactiques et des progressions, être plus dans une approche relationnelle et construire des relations avec les élèves pour essayer de capter les petites lumières, les petites étoiles qui sont dans les yeux des élèves, pour les transformer effectivement en relations de confiance avec eux et aussi partir de ce que les élèves pensent de l'école et dans quel état ils sont eux aussi ce premier jour. Voilà, c'était le premier jour avec les élèves. Et puis, alors, tu as parlé de pré-rentrée. Oui. La pré-rentrée dans la salle des professeurs, c'est ne pas se rappeler déjà de ce que les élèves ont fait les années précédentes. Oui. Partir avec un regard neuf. Voilà, parce qu'on est à chaque rentrée, on est un nouvel enseignant, bien sûr expérimenté, mais on a un peu posé notre sac de l'année dernière pour rentrer dans une nouvelle année. Enfin, moi, je le dirais de cette façon-là. Oui, ce qui est ravageur, c'est oulala, tu vas voir ces élèves-là, mais attention. Voilà, ce qui est ravageur, ah, tu vas avoir les élèves de telle classe, je les ai eus l'année dernière et tu vas voir, ils sont terribles. Donc, ne pas se laisser, toucher par ce éviter ces remarques-là.
Parce que les élèves, pendant les vacances, et puis les élèves avec un autre enseignant, ils sont différents. C'était cette approche-là. Essayer de se construire une certaine naïveté, une certaine distance, j'oserais dire. Céline ou Corinne, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, moi, je dirais qu'on est bien sur la veille, la préparation. Ça va être peut-être le temps où, dans les plénières, vont se discuter en particulier les projets qui vont être menés dans l'année. Et les conseils que l'on donnait, nous, aux stagiaires, il y a quelques jours, donc, c'était éventuellement de participer à ces réunions parce que c'est l'occasion de croiser des collègues qui ont des projets et rencontrer des collègues qu'on ne rencontrera pas forcément dans la salle des profs si l'emploi du temps ne le permet pas, et peut-être de s'inscrire dans une dynamique avec sa classe, dans quelque chose qui peut-être être tout à fait stimulant pour les stagiaires, rencontrer des collègues motivés, en mouvement, en marche. Donc, c'est le temps aussi où ces projets se mettent en place, où ils sont discutés, et peut-être qu'il y a moyen à ce moment-là éventuellement d'y adhérer. Alors évidemment, hein, les pré-rentrées sont organisées plus ou moins bien selon les établissements. Si on a la chance, moi, dans mon établissement, on avait fait en sorte qu'il y ait un buffet à midi où les anciens apportaient des spécialités. Et c'était une occasion de discuter aussi sur des projets. Et ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est pas organisé de manière très rationnelle. Bon, il faut faire avec. Je voudrais juste compléter, Jean-Michel, peut-être par des trucs beaucoup plus prosaïques. S'il y a des jeunes enseignants qui démarrent, des stagiaires. Moi, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps, même si ça l'était. Et je trouve qu'il y a... à la pré-rentrée, ce qui peut être très, très difficile quand on vient d'arriver, c'est qu'on a 23, 24, 25 ans. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était élève. Et le plus dur, je crois, c'est de pas se mettre dans une position d'infériorité ou d'élève par rapport aux collègues de la salle des profs. Et surtout, faites confiance à votre intuition. Et donc, je vais être un peu brute de décoffrage, mais dans une salle des profs, il y a beaucoup, parfois, quelques-uns, des collègues grande gueule qui savent tout sur tout, vraiment vont vouloir vous apprendre la vie. Fuyez-les, le plus possible. Fuyez-les et voilà, vous faites confiance à votre intuition et dites-vous que c'est un peu comme les frites McCain ou le reste, c'est ceux qui en... parlent le plus, qui en font le moins parfois aussi, donc c'est pas forcément parce que ça peut être très très inhibant quand on est un jeune prof de se retrouver là au milieu d'une salle des profs. En lycée, la salle des profs, elle peut faire 100, 120 personnes, ça peut être vraiment très inhibant. Donc appuyez-vous sur l'équipe de votre discipline si vous êtes en lycée, déjà ça fait un plus petit groupe, et suivez votre intuition. Et le deuxième truc que je voulais dire juste sur la pré-rentrée, peut-être que ça va paraître très futile, mais je crois que ça ne l'est pas. Quand on est prof, s'habiller pour la pré-rentrée et la rentrée, c'est un peu comme quand on s'habillait le jour de la rentrée quand on était élève. C'est quelle image on va renvoyer. Pareil, j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Si vous avez envie de mettre ce jean que vous adorez, personne, ça ne joue pas sur votre autorité de venir en jean et pas en pantalon de tailleur ou je ne sais pas quoi, ou en costume. Donc c'est très prosaïque, mais. Franchement, moi, je me souviens m'être beaucoup posé cette question et avoir retourné ce truc un peu dans ma tête. Cyril, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions qui émergent dans le chat et dire aussi comment on peut enregistrer le chat? Oui, alors il y avait une question qui concernait une question de Lydia qui concernait le distanciel, savoir si les modalités pour faire connaissance en distanciel. Il y a surtout beaucoup de conseils qui sont donnés. Donc, si vous voulez enregistrer le chat, en bas à droite du chat, vous avez des trois points pointillés. Lorsque vous cliquez dessus, il y a écrit « Enregistrer la discussion ». Et donc, avant la fin du webinaire, vous pouvez enregistrer le chat et retrouver tous les liens et tous les conseils qui ont été donnés par différents participants expérimentés. Il y a aussi une remarque qui est intéressante d'enseignants qui sont parents et donc qui disent que côté parents, quand on retrouve les règles à signer et la liste des règles, ça peut être un petit peu déstabilisant de voir toutes ces listes et règles à signer de la part de la dizaine d'enseignants.
D'accord. Donc, effectivement, la question du distanciel revient aussi dans les questions qui ont été posées avant sur le framaforme. Alors, évidemment, la situation sera différente selon les établissements, mais enfin, se préparer au distanciel, c'est une préoccupation que l'on a beaucoup au cahier pédagogique. On a fait un hors-série sur enseigner à distance. On a écrit pas mal là-dessus. On vous donnera des liens aussi. Alors, quelle réponse donc, comment on peut gérer à la fois le distanciel et peut-être aussi la distance physique aussi en classe, qui est une contrainte forte aussi. Je ne sais pas, Céline ou Corinne. Alors, je pense que déjà pour créer l'effet de groupe, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Après, je pense à une autre activité qui peut se mener en présentiel et peut-être en distanciel si les élèves ont déjà une bonne utilisation de l'outil numérique à distanciel. Peut-être qu'un travail de type photolangage peut permettre effectivement de faire confiance et encore une fois de mettre à distance. En disant, ben voilà, j'ai choisi telle image parce qu'elle représente telle et telle chose de moi. Voilà, on peut peut-être la partager en distance. Peut-être que tu peux expliciter un peu là aussi ce qu'est le photolangage, tout le monde. Donc en fait, on propose à nos élèves un corpus d'images et on leur demande d'en choisir une en leur demandant ben, pourquoi cette image-là leur parle particulièrement. Donc ça permet aussi tout de suite d'apprécier la prise de parole. On peut aussi, peut-être en distanciel, de demander aux élèves de choisir une image qu'ils ont choisie sur le net et donc de la présenter de la même façon. Pourquoi pas? D'accord. Peut-être dans le même ordre d'idée, avec le groupe classe, en tout cas en distanciel, pour une rentrée, je pense qu'il... L'activité atelier d'écriture proposait un exercice d'écriture, quel qu'il soit et dans quelque discipline que ce soit, si on se sent à l'aise avec ça, c'est un bon exercice aussi parce que finalement, chacun peut écrire dans son coin, il n'y a pas besoin d'être dans le groupe et après on peut lire les textes les uns après les autres. Voilà, donc ça c'est, enfin, moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec un groupe que je connaissais absolument pas, que j'ai jamais vu en fait, pour le coup, d'étudiant. Et ça a fonctionné parce que justement, ils pouvaient s'en saisir assez facilement. Mais oui, c'est plus compliqué. Je pense que la modalité la plus compliquée, c'est si on a une, enfin la plus équilibriste, c'est si on a une partie du groupe en présentiel et une partie du groupe en distanciel, où là, effectivement, réussir à inclure tout le monde, ouais. Ça implique de trouver différentes solutions. Sabine, tu veux l'ajouter? Alors, moi, j'aurais proposé une situation que je n'ai pas expérimentée sur du distanciel, mais qui doit être faisable avec l'outil informatique, c'est de mettre les élèves par groupe de 3 ou de 4, qu'ils aient un temps d'échange et qu'ensuite, à l'issue de la consigne, c'est que chaque élève du groupe va présenter un autre camarade du groupe. Oui. Sur une activité sportive, sur un trait de caractère, sur l'établissement d'origine, avec des grandes thématiques. Et du coup, c'est un élève qui présente un autre élève du groupe. Et du coup, ça leur permet aux élèves donc, de faire connaissance entre eux et ensuite d'être détaché de sa propre présentation. Et du coup, ça fait un peu baisser... émotions. Et en tant que professeur de PS, je pourrais aussi présenter quelque chose sous forme dansée, mais ça c'est en fonction avec quelque chose qui ressemble à du mime ou avec de la danse. Voilà, pour mobiliser le corps dans la présentation. Mais l'idée de présenter à un autre camarade, c'est... Alors, en dehors du distanciel, hein, c'est une idée intéressante, plutôt que se présenter soi-même. Moi, je le faisais tout à fait. Et ça marche très, très bien, j'allais dire, avec tous les niveaux de classe. Enfin, chaque fois que je l'ai essayé, c'est assez. Ça marche bien. Alors, en distanciel, peut-être qu'il faudrait faire des petits groupes, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas en parler. C'est une suggestion. Oui, si je peux me permettre de rebondir. Oui.
L'an dernier, aux rencontres des cahiers pédagogiques, avec Julie Lefort, Sylvain Connac, on avait réfléchi à cette rentrée qui, l'an dernier, déjà nous menaçait, où la pandémie nous menaçait. Donc, on avait identifié une vingtaine de jeux coopératifs qui peuvent être faits en présentiel et à distance, ou certains peuvent être faits en présence ou à distance. Et donc, je remettrai le lien dans le chat. Mais comme tu le sous-entendais aussi, c'est quand même plus facile lorsqu'on l'a déjà vécu soi-même. Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est par groupe d'enseignants, de futurs enseignants, de tester déjà entre vous avant de le tester avec vos élèves. Alors, concernant la deuxième série de questions, la deuxième question sur les parents, est-ce qu'on se représente ce qu'est la rentrée aussi pour les parents, en particulier efficace, mais pas forcément que l'efficace d'ailleurs. Comment est perçu le règlement du collège. Et peut-être aussi, parce que finalement, il y a quelque chose que j'avais envie de dire aussi, c'est est-ce que les parents et les élèves sont conscients que on vient au collège, au lycée, avant tout pour apprendre et pas pour se tenir bien, pour être tranquille et pour ne pas se faire gronder, quoi. Et donc, cette idée de apprendre, est-ce qu'elle est au cœur de cette journée de rentrée et puis des autres, ou est-ce qu'elle apparaît presque comme secondaire, ce qui est aberrant ? Qui voudrait dire quelque chose là-dessus ? Corinne, peut-être ? Alors, ce que j'aurais envie de dire sur cette question de la rencontre avec les parents, c'est que depuis des années, je suis professeure principale en sixième. Donc, j'ai la charge, peut-être plus encore que les collègues, de recevoir assez immédiatement les parents. Et qu'il ne faut pas oublier que pour les parents en particulier, quand on a des sixièmes, c'est que les années précédentes, ils avaient l'habitude de rencontrer les maîtres d'école et les maîtresses au portail. Et là, c'est très inquiétant pour eux, insécurisant de ne plus voir de professeurs, puisque à part par rendez-vous, la rencontre n'est pas aussi spontanée, et en tout cas, elle n'est pas quotidienne. Moi, j'ai l'habitude, dès que je sens qu'un enfant ne va pas bien, mais je ne parle pas forcément dans le problème scolaire, mais aussi d'un enfant qui me paraît ne pas être heureux, enfin en tout cas quelque chose qui m'interroge un petit peu dans leur comportement, de recevoir assez rapidement les parents. Et c'est quelque chose qui, je crois, parce qu'on s'est mis en place très tôt, fait que le lien se crée avec les familles, qui réalisent que même le carnet de correspondance permet aussi d'avoir une relation assez fluide avec les enseignants du collège. Donc ça me paraît essentiel, de leur donner, de leur dire très rapidement qu'on est accessible, même si on n'est pas au portail. Alors, ça ne dépend pas de vous, mais peut-être c'est une idée qui peut germer, si ce n'est pas le cas pour les années qui suivent. C'est dans mon collège, pendant plusieurs années, on avait mis en place une deuxième heure de cours en invitant les parents dans la classe. Alors, ça concernait les professeurs principaux, mais rien n'interdisait à d'autres professeurs de venir. Et je trouve que c'était très bien parce qu'on présentait un peu l'année. Et avec cette idée aussi de présenter l'établissement comme un lieu comme un lieu d'apprentissage, on apprend plein de choses. C'est une chance pour tout le monde. Et alors, si ça existe, ça existe peut-être loin d'exister partout. Je parle plutôt en collège, en lycée, c'est autre chose. Le rapport aux parents n'est pas forcément le même. Mais on peut imaginer des initiatives de ce type que pourrait susciter dans votre établissement plus tard. Parce que les débuts, c'est un premier pas. Et ensuite, on pourra mettre en place d'autres choses. Sur le lycée, le rapport aux parents est un peu différent. Les contacts sont encore moins nombreux. Mais qu'est-ce que vous avez à dire, Anne, sur ce sujet ? Ouais, sur le lycée, je pense que le moment le plus dur, c'est la seconde, parce que justement,
enfin, plus les élèves grandissent en âge et plus le lien entre parents et profs se distend, ou en tout cas il est plus irrégulier. Donc les parents, ils ont souvent un peu peur à l'entrée en seconde de ce que leur enfant pourrait faire ou ne pas faire, ou être moins investi dans son travail, moins impliqué. Moi, je pense qu'au lycée, avec les ENT, on peut très bien... D'abord, il y a des réunions parents-prof, donc on peut toujours se présenter un peu plus tard, au mois de septembre. Et là encore, je pense le risque au lycée, très vite, c'est que tout soit centré autour de l'orientation et du bac. Alors, le bac, un peu moins maintenant, parce que il a perdu de sa superbe depuis 2 ans, en tout cas, de son espèce de côté très massif et rituel. Mais sur l'orientation, il y a vraiment une pression parentale, une pression de la société qui est très forte et qui est aussi liée à la façon dont ça se déroule. Et rappeler justement que d'abord, on est là pour apprendre, et apprendre, ça va permettre de se découvrir et ça va permettre de grandir et donc d'affiner ses choix, mais ses choix de vie en fait, et pas que le choix d'une orientation, d'une filière de l'enseignement supérieur. Ça, c'est important parce que je crois que beaucoup de profs rajoutent de la pression à la pression aux parents et donc aux élèves derrière. Et justement, l'autre chose, au lycée, c'est aussi le moment, peut-être plus qu'au collège, en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment où les élèves peuvent rencontrer vraiment des problèmes de santé mentale forts, et les 2 années de pandémie n'ont rien arrangé. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas très habitué à faire en France parce qu'on a tendance à déléguer ça au CPE. Mais je pense que c'est bien, en tout cas moi je le faisais, d'envoyer un message aux parents, soit à l'oral au moment de cette réunion parents-prof, soit à l'écrit, pour dire qu'on est attentif à ça et qu'il ne faut pas hésiter à ce que, qu'on n'hésitera pas à leur faire part de nos alertes si on les voit, et qu'eux, il ne faut pas qu'ils hésitent aussi à nous faire part des interrogations qu'ils ont, parce que la coéducation, au lycée, on est comme au collège, mais il y a cette tendance à penser un peu que les profs sont là pour l'académique et puis le reste, c'est géré ailleurs. Et vraiment, je pense que ça fait énormément partie du boulot d'un prof de lycée que de repérer les filles, parce que c'est à 90% des filles qui sont en situation d'anorexie ou de troubles de comportement alimentaire, les filles et garçons qui ont des problèmes de santé mentale qui pourrait pousser au suicide ou à l'autodestruction. Les troubles d'attention aussi. Voilà, troubles de l'attention, etc. Donc, à mon sens, c'est important et ça rééquilibre aussi un peu la partie pression sur l'orientation et sur l'avenir qui est quand même ultra forte au lycée. Et Sabine Oui, et je voudrais compléter aussi pour les élèves du lycée professionnel. Souvent, les parents de ces élèves n'ont pas ou peu fréquenté le lycée. Donc, ne pas hésiter à inviter ses parents à entrer en contact avec ses parents, même quand les études de leurs enfants se passent bien. Et surtout quand il se passe bien, pour que ses parents deviennent des partenaires. On a parlé de coéducation, mais au lycée professionnel, c'est encore plus fort. Et de voir leurs enfants en réussite, c'est quelque chose, ça permet de changer le regard sur l'éducation, sur le lycée, sur l'enseignement. Donc, ne pas hésiter justement à construire des relations de confiance. Et c'est compliqué en lycée professionnel d'entretenir des relations et de faire venir les parents dans l'établissement, mais ne pas hésiter justement à travailler sur cette relation parce que ça permet de rendre encore plus beau ces réussites de ces élèves qui ont eu un parcours chaotique au collège et qui se découvrent de bons élèves, d'excellents élèves au lycée professionnel. Et ça fait du bien aux parents. Voilà, contacter les parents, ce n'est pas quand ça ne va pas. C'est aussi et surtout quand les élèves s'installent dans une scolarité épanouie. Oui, je me souviens d'une classe de quatrième qui était assez difficile les élèves. J'ai fait une travail sur la motivation, qu'est-ce qui les motivait dans leur travail, leurs études.
Et finalement, on avait dégagé 7 ou 8 items et j'avais été surpris de voir que ceux qui revenaient en premier, c'était, alors je ne sais plus comment c'était formulé, faire plaisir à ses parents ou que les parents soient fiers de je crois que c'était ça qui était marqué, qui était en tête, alors que l'on aurait pu penser que c'était autre chose. Par exemple, le fait d'avoir des bonnes notes, c'était très secondaire par rapport à ça. Donc, c'était assez surprenant et ce serait intéressant de poser ce genre de questions aux élèves, d'ailleurs, par écrit, parce que par oral, ils n'auraient pas forcément dit ça. C'était bien par écrit. Par oral, ils n'auraient sans doute pas dit ça. Cyril, est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent dans le chat ? Je n'ai rien vu émerger jusqu'à maintenant. C'est plutôt des collègues qui partagent des compléments de ce qui est dit. Et donc, je répète que c'est téléchargeable en bas à droite du chat. En cliquant sur les pointillés, vous pouvez enregistrer la discussion. Voilà, parce qu'il y a dans ce chat, en dehors des participants débutants ou étudiants, il y a des professeurs qui encadrent et aussi des collègues du CRAP Cahier Pédagogique qui justement peuvent rajouter des choses sur le chat et ça vous sera peut-être utile. Autre question qui a été en partie abordée, mais que j'aimerais que vous approfondissiez, c'est comment finalement on met en place la classe, transformer cet agrégat d'élèves qui sont devant nous. Alors, certaines fois, il arrive que la classe succède, enfin, soit la suite d'une classe de l'année précédente, mais souvent il y a des réorganisations, en particulier cette fameuse histoire de classe hétérogène, comme si les classes homogènes existaient, je pense que ça n'existe pas. Mais il y a plusieurs types d'hétérogénéité. Moi, j'ai écrit un livre enseigné en classe hétérogène, justement, qui montre toutes les formes d'hétérogénéité qui existent et comment on arrive à faire un groupe et avec peut-être des aspects particuliers au lycée, puisque la classe est par moments morcelée et éclatée. Alors, je commencerai peut-être par Anne, et puis... Oui, alors comment faire pour que la classe soit un groupe, surtout au lycée, et en histoire-géographie par exemple, où il peut y avoir des spécialités. Je n'ai pas la réponse miracle à cette question, sinon je pense que la solution se vendrait un peu comme des petits pains. Mais par contre, je pense que au lycée, en tout cas, ce qui peut permettre de faire de la classe un groupe, c'est la pédagogie de projet, vraiment, en particulier dans la façon dont est fait le lycée aujourd'hui, ce qui va permettre d'organiser le groupe, de l'unifier, de lui donner un corps et une identité, c'est qu'il soit tiré par autre chose que par l'idée d'avoir le bac ou de trouver son orientation, encore une fois, mais qu'il prenne du plaisir dans ce qu'il fait et qu'il le fasse ensemble. Et donc, vraiment... de structurer le groupe classe autour de projets qui peuvent être... Enfin, un projet, ce n'est pas forcément on va tous partir au Japon à la fin de l'année, un truc dingue. Un projet, ça peut être réaliser une expo d'affiches au CDI, faire un petit épisode d'émission de radio. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de formes au projet, mais en tout cas, de faire en sorte que le groupe... et à s'organiser et à produire quelque chose de matériel ou d'immatériel qui donne un sens aux apprentissages. Et la deuxième chose peut-être sur laquelle j'insisterai pour le lycée, ça marche pour tous les niveaux, hein, mais selon l'âge des enfants et l'apprentissage de la liberté qu'ils ont eu, c'est un peu différent. Au lycée, en fonction du groupe auquel on a affaire, on peut aller soit plus vite dans l'apprentissage de la liberté et de l'autonomie, soit très autonome selon son arrière-plan, enfin selon ce qu'il a connu au collège, etc. Et donc, laisser beaucoup de place aussi à l'autogestion des élèves, entre guillemets, en fixant un cadre, bien entendu, mais je crois qu'au lycée, on peut en arriver à dire, ben voilà, l'évaluation, je prends l'exemple des évaluations parce que c'est typiquement un problème au lycée, et je trouve que ça, c'est une façon d'adresser le groupe, de dire... Évaluation, je l'avais prévu tel jour à telle heure, mais ça se trouve dans votre emploi du temps, il y a déjà 12 évaluations cette semaine-là. Donc, comment on peut trouver ensemble une façon d'évaluer qui soit ni chronophage, ni de mettre trop de pression, tout en évaluant correctement et avec rigueur.
voilà, mettre en place une sorte de démocratie scolaire au sein du groupe qui permette de décider d'un certain nombre de choses et donc de faire en sorte que le groupe prenne des décisions et débatte régulièrement. Mais bon, ça, je pense que c'est aussi valable au collège, voire en élémentaire. Enfin... Corinne ou Céline, sur le collège ? Alors, sur le collège, je dirais que ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Anne. Le projet fonctionne bien. Travailler sur le climat de la classe, ça peut être dans les premiers signes qu'on va donner à ses élèves dans les premiers jours. C'est par exemple la disposition dans la classe. On travaille en îlot, on travaille en rangée. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un petit peu contraint par les normes sanitaires, mais au-delà de ça, laisser des élèves se positionner dans la classe à un endroit où ils se sentent bien, avec des camarades qui les rassurent, contribue à les sécuriser, contribue à faire que on leur dit qu'on leur fait suffisamment confiance pour les laisser se placer, alors pas à chaque heure de cours bien évidemment, mais leur donner la première semaine pour trouver un endroit dans la classe où ils se sentent bien, un groupe d'élèves avec lesquels ils se sentent bien. Leur permettre ensuite de travailler en groupe, plutôt ensemble. Je pense que ça fait partie des premières choses qu'on peut mettre en place assez rapidement avec ces élèves. Une proposition à soumettre, si je peux intervenir. En laissant effectivement entrer les élèves en classe, en les laissant se placer, je leur demande, dès le premier cours, de prendre une feuille A5. Donc, ils pensent qu'ils vont faire une fiche de renseignement. Puis, je leur demande de mettre en boule cette feuille. Et je mets la poubelle sur la table. Et je leur dis que celui qui va arriver à mettre le papier dans la poubelle aura 2 points de plus sur la prochaine évaluation. Alors, ils n'y croient pas. Ils trouvent ça injuste. Ils s'y essayent. Et effectivement, je leur dis, mais voilà, vous avez eu le choix de choisir votre place. Simplement, ceux qui sont près de moi vont être près du savoir et risquent très probablement d'avoir de meilleures notes que ceux qui se sont mis au fond près du radiateur. Et donc, c'est une façon aussi de les recevoir en les responsabilisant, en leur disant qu'ils ont une partie de responsabilité dans la réussite de cette année. Et de ne surtout pas hésiter à venir me poser une question s'ils sont dans le coin, parce que je risque très probablement de passer moins souvent les voir. Oui, ceci dit, la gestion de l'espace de la classe est extrêmement important. Et effectivement, de circuler dans la classe et de pas. Et puis, évidemment, quand on a des îlots, quand on peut avoir des îlots, maintenant c'est compliqué en plus avec le confinement, enfin, la distance, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui casse un peu justement être devant, être derrière. On n'est plus devant, derrière. Et beaucoup d'élèves connaissent aussi des pratiques en primaire qui sont un peu différentes et qui se retrouvent. Alors, selon les matières, c'est vrai que c'est intéressant de comparer les positions selon les matières entre la salle d'art plastique, la salle de musique, etc. Céline, vous voulez ajouter quelque chose ? C'était juste pour faire un petit lien avec notre échange du départ, la proposition d'Anne concernant une des réponses possibles pour constituer le groupe avec les projets pédagogiques, etc. Je pense que ça peut aussi être l'objet de la première heure de cours, justement expliquer aux élèves qu'avec eux, on va vivre une aventure. C'est aussi comme ça qu'on constitue le groupe, hein, que cette aventure, elle va être... elle va être commune, on va la vivre ensemble. Et puis, si on a déjà des idées de projets, même si effectivement c'est un concours d'affiches ou la rédaction d'un article ou je ne sais quoi, c'est déjà quelque chose qui va leur montrer dès la première heure de cours qu'ils vont avoir une année un peu particulière. C'est-à-dire faire valoir un petit peu les spécificités, ce qu'on va leur apporter de nouveau dans notre enseignement et pas uniquement un enseignement qu'ils attribueraient à un enseignement classique, magistral, habituel, leur montrer comment nous, en tant qu'enseignants, cette année-là, on va essayer de leur faire vivre autre chose. Et je pense que ça peut aussi faire l'objet d'un petit moment de cette première heure de cours. Il y a aussi peut-être l'idée d'entraide entre élèves, d'annoncer que ceux qui ont plus de facilité dans certains domaines pourront aider les autres,
qu'il y aura des systèmes d'entraide. Je pense que les élèves sont très sensibles à ça et que justement, c'est un atout aussi pour gérer de façon différenciée la classe en comptant sur certains élèves qui, de toute façon, profiteront de cette entraide parce que les élèves qui aident les autres profitent toujours des recherches qui vont dans ce sens. Sabine, tu voulais ajouter quelque chose sur cette constitution du groupe classe en lycée professionnel? Oui, en lycée professionnel, partir oui, sur l'idée des intérêts et de la motivation des élèves, c'est assez intéressant. Justement pour les amener vers un projet d'apprentissage et de les mettre par groupe où ils se sentent à l'aise. Mais le problème, c'est de n'en laisser de côté aucun. Et souvent, donc, dans la stratégie de composition des groupes, c'est avant de composer les groupes, de les autoriser à se mettre avec qui ils veulent, c'est d'essayer d'identifier ceux qui risqueraient de ne pas être dans un groupe, justement. Et c'est ceux-là sur lesquels il faut s'appuyer, sur les timides, les discrets, c'est ceux qui veulent être invisibles, et justement leur donner un petit pouvoir. Un peu de dynamique dans la composition des groupes. Voilà. Et à mon avis, c'est ceux-là qu'il ne faut pas oublier. Parce que ceux qui font beaucoup de bruit, ceux-là, on les repère tout de suite. Mais ceux qui veulent se cacher derrière les autres, c'est avec ceux-là qu'il faut essayer de composer. Et tu mets l'accent d'ailleurs sur une question importante, c'est observer les élèves. C'est extrêmement important et observer sans trop de préjugés, justement, avec pas les préjugés qui pourraient naître de ce qu'ont dit d'autres collègues, comme on disait tout à l'heure. Donc, travailler l'observation, je crois qu'on observe, ça se construit petit à petit parce que on peut être surpris par des évolutions, mais en tout cas, observer, comme tu dis, les élèves plus discrets, ça sera peut-être plus difficile à observer, mais. Voilà, c'est ceux qui n'ont pas envie qu'on les voit et qu'on les repère. Alors effectivement, c'est des élèves qui sont gentils parce qu'ils ne font pas de bruit. Mais le problème, c'est que ce sont aussi eux qu'on risque de perdre, qui risquent de décrocher, quoi. Donc, ou d'être peut-être maltraités par les autres. Et peut-être pour compléter ça, juste ce que disait Sabine, mais observer les élèves, ça passe justement par créer beaucoup de situations d'apprentissage différentes rapidement. Parce que si on reste dans une modalité, quelle qu'elle soit, je crois qu'on a tous été confrontés à ça. Parfois, on est pris un peu dans un truc, on se dit genre les îlots, ça marche, ou je sais pas quoi, ou tel type d'activité, ça marche hyper bien avec tel groupe. Et dans un type d'activité ou dans un type de modalité, on voit un peu toujours les mêmes postures d'élèves différents. Peut-être de façon anecdotique, mais en géographie, une des activités qui est la cartographie, par exemple, était une activité géniale parce qu'en fait, ça change complètement la hiérarchie des normes et des postures chez les élèves parce que tout d'un coup, quand on fait de la cartographie, il faut colorier un moment des cartes. Et du coup, des élèves qui étaient très discrets ou pas très bons dans un certain type d'exercice produisent des cartes magnifiques. Et du coup, on les repère alors qu'en fait, on n'aurait pas fait attention à eux parce qu'ils ne prennent pas la parole ou ils n'y participent pas beaucoup. Donc vraiment, et c'est difficile quand on est un jeune enseignant de se dire, c'est difficile parfois de se dire, j'ai essayé ce format-là et la session prochaine ou la prochaine, je vais essayer autre chose parce que du coup, on a envie aussi de se reposer un peu et de poursuivre quelque chose qui a marché. Mais je trouve que plus on varie la première année, plus on observe ses élèves. Oui, et d'ailleurs, on peut observer les élèves, mais ce serait intéressant aussi de les observer dans d'autres cours, dans d'autres classes et dans d'autres enseignements. Moi, je sais que j'ai tiré beaucoup profit de faire du travail commun avec un prof de PS, avec un prof de musique, un prof d'art plastique, parce qu'on voyait les élèves sous un autre jour. Et aussi des pratiques différentes. Je pense qu'il faudrait, dans l'établissement, mettre en commun tout ce qu'on sait faire dans les différentes disciplines et pas se dire, a priori, c'est impossible de faire ça en français alors qu'on le fait en éducation physique.
Il y a des tas de choses que chacun peut apporter. Et c'est un peu d'ailleurs un fil directeur des différents ouvrages que vous avez écrits, toutes les quatre. C'est la diversité des pratiques. Il n'y a pas de dogme et de pratique qui serait majeure, fût-elle le travail de groupe ou le visio, etc. Si je peux me permettre, moi, ce qui me semble fondamental dans ce qui vient d'être dit là, c'est le fait justement de ne pas rester sur des certitudes et tester des choses et toujours se poser des questions. C'était la même chose par rapport au groupe. Hein. Quand un groupe s'est formé, il ne faut pas hésiter à changer ce groupe, à le structurer différemment. Ce qui pose la question d'ailleurs du droit à un certain tâtonnement et à faire des erreurs. De toute façon, des erreurs, on en fait tout le temps. C'est très inquiétant quand quelqu'un dit qu'il se trompe, enfin, qu'il sait comment faire. Ça m'a toujours inquiété. Parce que on sait un peu ce qu'il ne faut pas faire. On essaye des choses, mais on n'est jamais sûr à 100%. Et les profs qui disent « ça a marché aujourd'hui, il faut prévoir de près. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 7 ou 8 élèves qui ont bien répondu, puis les autres ont été largués ?» Enfin, c'est compliqué de savoir ce que dans est-ce qu'un cours a marché, c'est-à-dire où les élèves ont appris. Parce que c'est ça le but, quand même, c'est que les élèves ont appris quelque chose. Cyril, est-ce qu'il y a encore quelques questions avant de... Il y avait une question qui concernait le harcèlement scolaire, qui n'était pas directement liée à la rentrée, mais des ressources ont été apportées par les collègues sur le chat. Voilà. Et des débuts de remerciements aussi par rapport à cette proposition de webinaire. Voilà, et sur le harcèlement, je ne sais pas si le lien a été noté, je ne lis pas forcément le chat pendant l'intervention, mais on fait ce qu'on appelle une formule, qu'on appelle les petits cahiers, qui sont des formats réduits, qui sont en numérique, et il y en a un sur le harcèlement qui propose des pistes, à la fois de réflexion, des pistes, effectivement, il faut l'avoir à l'esprit. Là aussi, sans dramatiser, mais en étant conscient, le harcèlement étant aujourd'hui beaucoup le cyberharcèlement qui est plus invisible en classe, qui existe. Alors peut-être... Juste, Jean-Michel, parce que je voulais une question dans le chat à laquelle je voulais juste répondre, parce qu'il y a une question sur est-ce qu'il faut, dès le premier jour, imposer ou interdire le matériel à utiliser? Au lycée, c'est toujours une grande question de au lycée, doivent-ils devenir libres d'utiliser un cahier ou un classeur au risque de perdre leurs feuilles? Alors, mon avis n'est que vraiment personnel et très subjectif. Mais là encore, on n'apprend que de ses erreurs, quelque part. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas du tout imposer de matériel au lycée, en tout cas. Justement, normalement, ils ont dû éprouver au collège différentes formules de matériel selon les profs, les disciplines, etc. Et leur dire que, ben oui, ils vont bien voir. Moi, la seule chose que je disais, c'est si vous savez que vous êtes bordélique, ben ne prenez pas un classeur avec des feuilles, prenez un cahier, comme ça vous serez à peu près au moins sûr de savoir où sont vos affaires. Mais voilà. Je ne sais pas sur la question du matériel, Céline ou Corinne, vous voulez dire quelque chose? Mais je dirais, moi, sur le matériel, je vois bien que même nous, en équipe, on n'est pas tout à fait d'accord. Je pense que ce qui est important, c'est de faire une proposition à ces élèves que l'on est capable d'accompagner. C'est-à-dire, si c'est un classeur, trouver des stratégies pour aider les élèves. C'est-à-dire, moi, c'est celle que j'ai choisie, mais les feuilles sont numérotées. Il y a un grand classeur à la maison dans laquelle la séquence est déposée dès qu'elle est terminée, qui me permet de récupérer les fiches outils, par exemple, ce qui ne serait pas possible dans un cahier. Je dirais que quel que soit le choix, ce qui est important chez les petits en particulier, c'est vraiment d'être vigilant et d'accompagner l'organisation des classeurs, parce que les petits ont aussi besoin d'être aidés pour retrouver leurs cours, pour ne pas se perdre complètement. Mais je crois aussi que c'est important que ce matériel convienne à l'enseignant. Malheureusement, parfois, le choix est fait par équipe et les jeunes collègues qui vont arriver dans les établissements devront s'adapter cette année. Mais ne pas oublier d'accompagner les enfants parce qu'effectivement, ils ne sont pas tous très à l'aise avec l'organisation de leurs cours. En tout cas, là, comme sur d'autres sujets, je crois que c'est toujours important de montrer que toutes les règles, tout ce qu'on demande, tout ce qu'on propose, c'est dans le but qui est plus d'apprentissage, plus de réussite
dans les apprentissages scolaires, et c'est pas des lubies comme ça, parce que c'est trop souvent la représentation que se font parfois, pas trop souvent, mais au moins parfois, des parents et des élèves. Pour terminer ce webinaire, je vais demander à chacun d'ajouter quelque chose qu'il aura envie de dire, une question qui ne lui a pas été posée, qu'il a envie de développer un peu en quelques minutes, puisqu'on ne doit pas dépasser 19h10, 15 écrans maximum. Qui veut commencer? Sabine, peut-être? Alors, ce que j'aimerais dire, moi, c'est d'essayer de se rappeler qu'en tant qu'enseignant, on s'adresse à tous et à chacun de nos élèves, c'est-à-dire n'en oublier aucun. Voilà, ça sera très bref. D'accord. Anne. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est deux mots-clés qui sont confiance et plaisir. Dites-vous que, peut-être la rentrée, ça doit vraiment être le moment d'une confiance donnée un peu a priori au groupe et à chacun aussi individuellement. Et plaisir, parce que je crois qu'un prof qui ne se fait pas plaisir dans sa classe, il ne suscite pas le plaisir d'apprendre chez les élèves. Donc, faites-vous plaisir. Pour les jeunes enseignants, suivez votre intuition, faites-vous confiance et faites-vous plaisir. Voilà. Corinne. Alors, vous m'entendez, oui, c'est bon. Oui. J'adhère à tout ce qui vient d'être dit. Peut-être autre chose sur une entrée différente. Je dirais qu'il faut préparer une première séquence avec des réels enjeux pédagogiques et didactiques qui soient une séquence plutôt diagnostique pour vraiment découvrir ces élèves, savoir leurs points forts, leurs difficultés, essayer de les connaître le plus rapidement possible. Et une séquence qui est aussi des vrais enjeux, alors, certes de ce point de vue, mais aussi qui soit riche et stimulante. Alors, je sais peut-être le fait de ma discipline, mais j'ai trop souvent vu dans les manuels des premières séquences où, de manière un peu frileuse, on avait l'impression de retarder l'entrée avec une sorte de séquence sur la rentrée à l'école avec des textes parfois même un peu indigents, des questionnaires dont on ne voyait pas vraiment les enjeux. Je pense qu'il faut commencer avec une vraie séquence, surtout que le temps passe vite. Une année comme celle-ci, on craint toujours un potentiel confinement. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'une séquence riche et ambitieuse permet quand même de rencontrer ses élèves et de les connaître le plus rapidement possible, même si les évaluations, bien évidemment, au début, sont informelles. Mais c'est un peu comme dans les films aujourd'hui où il n'y a pas un long générique avant de commencer. On commence souvent tout de suite et le générique vient après. Et c'est un peu comme ça qu'il faut faire aussi, je crois. Céline? Oui, alors moi, mon cheval de bataille, c'est voilà, se poser des questions, tester, essayer plein de choses. Faire preuve de souplesse. Voilà. C'est aussi pour reprendre les propos de Sabine, hein, prendre en compte chacun. Tester la différenciation pédagogique, tester des dispositifs. Se faire plaisir, pas avoir peur, voilà, et faire preuve de souplesse. Je pense que c'est l'idée principale qui me porte, voilà. Et peut-être donner la parole à Cyril aussi, qui a beaucoup travaillé sur la coopération avec Sylvain Connac notamment. Oui, avec plaisir. Deux choses, je crois que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de ressources ont circulé dans le chat, et donc il va vous falloir une dizaine d'années pour devenir expert, et donc pour transformer votre expérience en expertise, vous avez toutes les ressources qui vous ont été données et bien d'autres, et donc d'ici là, pour prendre soin de vos élèves, prenez d'abord soin de vous, voilà ce que je leur conseillerais. Voilà, et aussi se lancer. Voilà, oser se lancer, mais aussi ne pas prendre trop de risques, trouver un équilibre entre le risque et l'assurance qu'on conquiert peu à peu. Alors, avoir confiance en soi, mais ne pas prendre des risques raisonnables, quoi, disons. Et ben, voilà, merci bien à tous les intervenants qui ont proposé des choses et ne surtout pas
donner des conseils définitifs, mais plutôt des pistes. Hein, je crois qu'on aime bien au cahier pédagogique dire ça. Alors, quelques mots pour conclure. Donc, vous avez vu que sur le chat, vous avez vraiment beaucoup de références. Comme je l'ai dit au début, on va publier aussi quelques outils pour la rentrée, probablement demain, sur le site des cahiers pédagogiques. Vous faites www.cahierspédagogique.com. Donc, notre revue, les cahiers pédagogiques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une revue associative qui est écrite essentiellement par des bénévoles. Et chaque année, donc, on publie 8 numéros, plus des hors-séries, plus des petits cahiers. Donc, c'est un travail considérable, mais avec beaucoup de gens qui écrivent. Et on invite chacun à écrire. Et donc, on est débutant, on peut aussi envoyer un témoignage à une rubrique qui s'appelle « Et chez toi », qui est une rubrique qui recueille des témoignages du vécu de l'école au jour le jour, à côté d'articles de recherche, d'articles de pratique, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la réussite de cette revue qui existe quand même depuis 1945, ce qui est intéressant parce qu'on voit l'éducation, c'est une histoire longue et on croit réinventer des choses. Et c'est intéressant parfois de lire des textes des années 50 parce qu'on voit les différences, mais on voit aussi qu'il y a des choses qui sont quand même toujours des fondamentaux et des incontournables. Donc, n'hésitez pas à lire les cahiers pédagogiques, à aller sur notre site qui est en train de muter parce qu'il faut toujours se mettre à jour. Et nous accueillons tous ceux qui veulent adhérer à notre association aussi, à lire les cahiers pédagogiques. On a aussi des rencontres régionales dans certaines régions, pas toutes, là où on a des correspondants académiques. Et puis donc, on organise des webinaires après chaque numéro. Et le prochain numéro, qui paraît en septembre, sera sur l'école et l'alimentation. C'est un sujet qui n'est pas si mineur que ça, et à la fois le côté cantine, etc., et le côté aussi comment on peut travailler l'alimentation en classe selon les matières, beaucoup de matières concernées. Et vous pouvez aussi sur la chaîne YouTube revoir les anciens webinaires. Par exemple, au mois de juin, on a fait un webinaire sur l'école dehors, on a fait sur la co-intervention, qui peut aussi vous intéresser, sur l'attention en classe, sur le débat, etc. Donc, de toute façon, on vous enverra le lien de la chaîne YouTube et on peut s'abonner à la chaîne YouTube gratuitement et comme ça, on a tous les webinaires et autres documents qu'on peut mettre. Voilà, donc, merci de votre participation et en espérant vous revoir à une des occasions que l'on proposera. Et merci à ceux qui ont alimenté le chat, qui, je pense, abonde de ressources et de liens. Et bonne rentrée à tous, à toutes, bonne rentrée, bonne pré-rentrée, bonne rentrée. Et ayez confiance. Et je pense que quand même, on fait un super beau métier. C'est ça qu'il faut se dire, que c'est quand même formidable et qu'en plus, être en contact avec des jeunes, je le dis parce que je ne suis plus en direct contact avec les jeunes, mais je travaille indirectement encore, du coup, ça aide à rester jeune aussi. Voilà. Bon courage à tous.